Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Maïr emmène Mélissa dans sa chambre. Mélissa supplie son père de ne pas l'enfermer et qu'elle n'est pas folle. Malgré ses insistances et celles d'Arzu, Maïr enferme Mélissa dans sa chambre. Arzu reproche ensuite à Maïr de traiter sa fille comme une prisonnière et lui ordonne de lui donner les clés. Mais Maïr dit qu'elle ne se rend pas compte que sa fille est malade et qu'elle a enfermé Senet et y a mis le feu. Arzu dit qu'il a abandonné sa fille quand il a convenu avec Kaya d'enfermer Mélissa dans un hôpital psychiatrique. Maïr reproche à Arzu que si sa fille est comme ça, c'est de sa faute, que c'était la coupable. Arzu est choqué d'entendre cela, Sema et Aura ne les observent. Kali apporte du thé à Kaya. Kaya remarque que Kali boude. Il lui demande de l'excuser qu'il ne voulait pas le tuer mais que sa température est montée quand Kavidan avait disparu et que maintenant ça va. Il dit à Kali de le pardonner et de sourire. Il demande ensuite à Kali où il en est avec Saint-Guiz, mais Kali dit que du côté de Saint-Guiz c'est le silence sur la vente du terrain. Kaya dit c'est normal car il a demandé à Saint-Guiz de préparer les documents du terrain chez le notaire. Saint-Guiz réfléchit aux paroles d'Arzu et dit « Tu n'aurais jamais dû te retourner contre moi ». Il saisit l'enveloppe, passe un coup de fil en disant à la personne au téléphone qu'il doit envoyer la dernière livraison du colis. Les hommes de l'hôpital psychiatrique viennent emmener Mélissa de force à la clinique. Arzu sort et refuse qu'il emmène sa fille. Maïr dit c'est soit la clinique psychiatrique ou la prison. Arzu dit qu'elle ira supplier ce lit mais c'est net aussi nécessaire, mais il ne faut pas qu'il emmène sa fille. Maïr répond que c'est trop tard. Les hommes emmènent Mélissa de force. Arzu court derrière sa fille. Mère et fille pleurent. Ils font monter Mélissa dans la voiture. Arzu est désespéré et n'arrête pas de pleurer et court derrière l'ambulance. Toute la famille est triste de voir cette scène. Sema pleure, Arzu tombe et pleure en voyant l'ambulance s'éloigner. Kaya arrive devant la porte de Senet. Il se demande si Arzu sait qui l'a trahi. Il lui envoie un message pour dire qu'il sera étonné de savoir qui l'a trahi. Il frappe à la porte mais Senet dit à sa grand-mère d'aller dire à son père qu'elle ne se sent pas bien, mais Mukades dit que son père ne la croira pas et rentrera. Senet va ouvrir la porte. Énervée, elle monte directement dans la voiture. Mukades aussi la suit. Kaya est surpris et mécontent que Mukades fasse partir de la sortir. Nilgun ne vérifie que tout est prêt pour le dîner. Saint-Guiz arrive et demande qui vient dîner. Nilgun ne répond. Senet et son père, et demande à Saint-Guiz de ne pas créer de problème avec Kaya. Saint-Guiz dit non et qu'ils seront bientôt des amis. Selim arrive heureux de voir Nilgun enthousiaste. Il fait un bisou à sa mère. Elle lui demande où est Oslem. Il lui dit qu'elle est quelque part et qu'elle arrivera plus tard. Nilgun semble contrarié. Oslem attend Maïr dans un café. Il arrive et lui dit qu'il n'a pas beaucoup de temps à lui accorder et qu'il doit s'occuper de son enfant. Elle dit c'est juste pour ça qu'elle l'a appelé. Maïr n'ayant rien compris, Oslem l'annonce qu'elle est enceinte. Maïr reste choquée. Arzu trouve Mélissa dans sa chambre d'hôpital. Elles se prennent dans les bras. Mélissa la supplie de la faire sortir de cet endroit. Mais Arzu lui dit de se calmer et qu'elle va devoir rester là pendant un mois. En entendant cela, Mélissa fait une crise et détruit tout dans sa chambre. Les soignants sont obligés de lui donner un calmant pour la maîtriser. Arzu est désespérée de voir sa fille. Elle essuie ensuite ses larmes en se souvenant du message que Kaya lui a envoyé concernant l'identité de la personne qui l'a trahi. Chez les Arizouai, tout le monde se met à table. Saint-Guiz dit si seulement la mère de Senet était là. Senet dit qu'elle aussi aurait préféré que sa mère soit là, mais bientôt elle découvrira qui est sa mère. Mukades confirme aussi. Cette conversation irrite et énerve beaucoup Kaya. Maïr reste silencieux après l'annonce. Oslem se lève et lui dit que s'il souhaite qu'elle se débarrasse du bébé, elle refuse. Elle veut partir mais Maïr lui demande si ça sera une fille ou un garçon. Oslem ravi dit pour le moment elle ne sait pas encore, mais demain elle ira chez le docteur et le demandera. Il lui dit qu'il va l'accompagner. Oslem lui dit d'être heureux car c'est leur bébé. Après le dîner, Saint-Guiz invite Kaya dans le bureau pour parler du terrain. Selim veut les suivre mais Maïr l'arrête et dit mieux vaut qu'il ne laisse pas Senet seul. Saint-Guiz et Kaya s'en vont. Nilgun propose à Senet de revenir à l'entreprise pour travailler mais Senet refuse. Selim dit c'est mieux ainsi après tout ce qui s'est passé et qu'il réfléchit comment rompre leur partenariat avec les soyeurs car ce n'est plus possible de collaborer avec eux. Nilgun est d'accord. Dans le bureau, Kaya donne des papiers à Saint-Guiz et lui dit que demain ses avocats enverront le reste des papiers pour qu'il signe. Saint-Guiz sort les photos de son bureau et dit à Kaya que sur les photos qu'il incrimine, Kavidan est aussi dessus, ainsi s'il tombe, Kavidan aussi tombera avec lui, donc il sera pas le seul à payer. Kaya énervée prend Saint-Guiz par l'épaule et lui demande s'il le menace. Saint-Guiz dit que Kaya ne peut rien faire de plus, et n'est pas capable de le tuer dans son bureau devant tout le monde. Saint-Guiz sourit et détruit les papiers du terrain et dit à Kaya tu as perdu. Kaya le regarde furieux.
Arzu, en arrivant chez Saint-Guise, voit Maïr déposer Oslem. Elle descend pour les confronter. Maïr essaie de la calmer, mais Oslem lui annonce que les Maïr attendent un enfant. Arzu est sous le choc, elle donne une gifle à Maïr. Les Arizouaïr accompagnent leur invité quand ils entendent les disputes de Arzu. Ils s'avancent pour voir ce qui se passe. Arzu, les voyant tous réunis, dit que Dieu les punira tous et s'en va. Maïr la suit en voiture. Saint-Guise demande à Oslem ce qui s'est passé, mais elle dit qu'Arzu est tout simplement folle. Saint-Guise dit au revoir à Kaya d'un air satisfait, tout le monde en va. Le lendemain, Arzu vient chez Saint-Guise et lui reproche de l'avoir trahi, mais Saint-Guise dit c'est parce qu'elle l'a abandonné dans cette histoire avec Kaya et qu'il est prêt à se battre contre tout le monde. Mais Arzu dit que dans cette histoire, il perdra car il ne sait pas de quoi Kaya est capable. Car si elle a abandonné l'enfant qu'elle a mis au monde, c'est pour une raison. Elle s'en va en colère et prend sa voiture. Suna essaie d'empêcher Mukaddes de dire la vérité et de laisser Kaya lui-même le faire, sinon elle fera une grosse erreur. Mais Mukaddes dit qu'elle ne peut pas laisser deux sœurs être ennemies et se détruire. Elle sort malgré les réticences et les avertissements. Mélissa, dans sa chambre, se souvient de tous les moments de l'incendie. Saint-Guise donne l'intégralité des morceaux de photos à son livreur pour qu'il les remette à Senet. Ensuite il dit « Senet, tu connais très bien toute ta mère ». Arzu rentre dans la chambre nerveuse, Maïr la rejoint mais furieuse, elle le chasse. Maïr insiste et dit pourquoi elle le traite ainsi et qu'elle était prête à l'abandonner et partir avec Mélissa, mais Arzu lui dit de ne pas rejeter la faute sur elle. Sema entend leur cri entrer, dit Arzu de ne plus reprocher à Maïr l'histoire de Mélissa. Arzu annonce à Sema que Zoslem va avoir un enfant avec Maïr et qu'elle sera bientôt grande mère. Lors du petit déjeuner, Nilgun s'aperçoit qu'Oslem mange beaucoup, elle lui fait la remarque. La femme de chambre vient annoncer à Oslem que le gynécologue a décalé son rendez-vous. Nilgun en déduit immédiatement que Oslem est enceinte. Elle est choquée. Kaya arrive chez Senet et aperçoit un homme en casquette déposer l'enveloppe devant la porte de Senet. Il va l'arrêter. Mukaddes va voir Arzu et lui dit qu'il est temps qu'elle dise la vérité, ainsi Mélissa ne voudrait plus tuer Senet car elle saura que c'est sa sœur. Arzu dit qu'elle ne peut pas faire ça et que lorsque Mélissa sortira de l'hôpital, elle prendra sa fille et partira. Mukaddes dit ainsi elle abandonne Senet à son sort dans les griffes de Kaya, mais Arzu lui dit que Kaya n'en a qu'après elle, il quittera la vie de Senet si elle n'est plus là. Mukaddes lui dit que Kaya essayait de la tuer, Arzu est choquée d'entendre cela. Mais Arzu lui dit qu'elle ne peut rien faire de plus pour elle et qu'elle ne peut pas livrer sa fille. Elle s'en va laissant Mukaddes inquiète. Kaya reconstitue les pièces du puzzle et découvre le visage de Kavidan. Il oblige le livreur à lui donner le nom de celui qui l'a envoyé. Le livreur finit par dire que c'est Saint-Guise Arizouaï. Kaya est étonnée. Nilgun décide d'accompagner Oslem à son contrôle médical, même si Oslem lui dit que ce n'est pas nécessaire. Selim est assis au bord de l'eau avec Senet. Il lui dit qu'il se pourrait que la personne qui envoie les pièces du puzzle de sa mère soit un déséquilibré et mental qui joue avec elle. Il lui promet qu'il découvrira l'identité de l'homme mystère et de celle de sa mère. Senet, heureuse, dit qu'elle a compris. Au même moment, il reçoit un message qu'il ne veut pas regarder, mais Senet l'encourage. Il voit que c'est un message de son père, qui lui dit qu'il aime beaucoup et qu'il lui confie la famille et l'entreprise, et de ne pas le détester après ce qu'il a fait. Ce message d'adieu inquiète Selim qui appelle son père immédiatement. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.